Yo les gens, ici Rafi 57250, on se retrouve comme chaque semaine pour ma vidéo hebdomadaire sur l'ouverture de mes trésors des âges sur Destiny, sur PlayStation 4. Donc on se retrouve cette fois-ci avec mon arcaniste, le scénario que j'ai fait depuis longtemps, et cette fois-ci c'est avec mon arcaniste. Donc on va ouvrir mes trois colis. Donc voilà, c'est parti. Donc après j'ai quelques informations à vous partager par rapport à la bêta de Destiny 2. Donc tout d'abord on va commencer par les trésors des âges, donc premier pouvoir des âges, on espère avoir un peu plus de chance que d'habitude. Donc clair de lune, plus à l'argentine, tout mini. Donc clair de lune, donc ça doit être pour une arme, je pense. Donc clair de lune, et c'est pour le rapatriement. C'est pas le rapatriement qui est sur moi. Donc on verra ensuite à la fin. Ensuite, on a le deuxième trésor des âges. Et tout ça l'argentuel, assisté par les signes de la maison de l'échappement. Et après, on passe à un autre. Classique basique. C'est quoi? Ouais. C'est pourri. Donc allez, le dernier, on perd pas trop de temps. Allez, c'est parti, hop. Ah, robe des triomphes, ah bah nickel. Pouce à l'argentum et robe des triomphes. Donc nickel, j'avais mis un truc dans le coffre, donc je pourrais l'infuser tout de suite. Donc ce que je vais faire, je vais transférer un truc dans mon coffre vite fait. Ah bah je vais pouvoir infuser ça directement. Ça me fera pas encore mais j'ai même pas besoin de faire transfert. Donc je vais direct infuser ça. Robe des triomphes parce que ça donne. C'était ça que... Ouais, robe de poste de police. On va voir ce que ça donne, est-ce que c'est bien ou quoi. Ah ouais, pour l'instant du coup ça me fait deux trucs. Ça me fait le gantelet et... Ah voilà, je commence à avoir plus de chance. Ah c'est pas dégueu, franchement c'est pas mal. Je trouve beaucoup dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais je trouve ça pas dégueu, je trouve que c'est même joli. Mais... Ça peut changer la couleur, normalement je me trompe pas. En jaune par exemple. Ça fait pas mal en jaune. Par contre sur l'autre on voit pas. Ah oui d'accord, c'est juste sur la première. Ouais c'est pas top. Il y a juste des couleurs mieux mais je trouve que jaune c'est bien. Donc on va aller voir juste pour le... Ah attendez j'ai besoin de mon truc. Ah j'ai eu encore une danse, ventilateur. Wow. On va voir ce que c'est habitué. Je sais que les gens qui aiment pas trop parce que j'ai pas longtemps. Bien joué, parce que je connais celle-là. Ça, hop, on va mettre ça là à la place. On se dépêche pour pas perdre trop de temps. Hop, on met hop. Ouais, on dit la fin, c'est celle-là. Est-ce que c'est bien? Ah, c'est pas mal. C'est pas dégueu. C'est marrant. Donc, c'est parti. Ensuite, je vous parle par rapport à la bêta. Donc, j'ai quelques infos à vous partager. Donc, en plus, si vous suivez les réseaux sociaux, bah, je pense que vous êtes au courant. Mais sinon, ouais. Des nouvelles qui viennent de tomber, après aujourd'hui elle a tombé dans l'annonce. Donc moi après j'ai quelques infos que j'ai eues sur internet aussi, bah, sur les chaînes YouTube, tout ça. Je vous en parler après avec Rapace Noir et les Rapace Noir. J'ai mis normalement Rapace Noir. Ah c'est vraiment pas mal franchement par rapport à lui. Ah elle est pas dégueu, franchement j'aime bien. Franchement j'aime bien. Peut-être que vous en pensez mais c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Ça, donc après les annonces, donc j'ai entendu déjà parler que la bêta vous garderait pas votre progression de la partie. C'est-à-dire que si vous faites la bêta, vous ne gagnerez rien. Donc, c'est-à-dire que vous ne gardez pas ce que vous faites comme progression de la bêta. Quand vous aurez le jeu final, vous pouvez vous recommencer tout. C'est un peu dégueulasse. Et ensuite, la bêta sort à 19h, mais il y a une grosse mise à jour à faire avant de pouvoir jouer. Donc, sur Xbox One, a fait 12 Go, et sur PS4, a fait 14 Go. Donc, bah, en fait, on a accès à la bêta à 19h, mais on sera tous obligés de télécharger une mise à jour avant. Donc, je pense que ça dépend de votre connexion, mais sinon, ce ne sera pas avant. On va dire 20h, on va dire. Donc, moi, je vais laisser ma console en veille, et je vous ferai des vidéos ce soir. Donc, dès ce soir, je vous ferai des vidéos de la bêta, donc ils sortiront sûrement demain les vidéos. Donc je publierai demain sur ma chaîne, donc je vais sûrement faire une vidéo. Sûrement, je vais voir peut-être une vidéo
la première mission de Destiny 2, on fera la vidéo, enfin une ou deux, trois parties de multi, voir comment ça se passe. Donc après on verra, donc voilà. Donc voilà, donc cette nouvelle vidéo est terminée, donc moi je vous dis prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos, c'est pas super bien. Let it go. Take my body, go. Take a body's high and high.